Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la grande épopée sur Football Manager 2013 en version classique et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et victoire contre Notts County 1-0 sur un penalty de Recho à la 45 plus 2. Ouh, que ça fait du bien. Nous sommes toujours deuxième, alors on a un match d'avance je crois sur la majorité des équipes. Ouais, quoique. On est repassé deuxième, mais voilà, hein, vous voyez que. Ok, bon. Bref, ce n'est pas très important. Alors on m'a donné plein de jolis conseils, merci à toi. Notamment qu'on pouvait faire des prêts à n'importe quel moment dans la saison. Bon, alors le seul problème c'est que il faut qu'il soit anglais. Mais ce que je ne savais pas, bon alors je peux vérifier les dates, hein, ça je le savais, mais bon, ça je peux le faire. Alors il me semble qu'il faut que j'aille dans le truc du classement, que je clique sur Empower League 1, que je fasse règlement. Période de transfert, voilà. Prêts nationaux uniquement. Effectivement, du 4 février au 24 mars et du 3 septembre au 19 novembre. Alors, c'est pas exactement tout le temps, mais par exemple, là, on est toujours dedans. Donc, c'est vrai qu'en cas de blessure, ça peut être bien. Autre chose, ne pas faire jouer un joueur en dessous de 94%. Alors, moi, je pensais que c'était un petit peu moins, en fait. Hein. Je pensais que c'était plutôt 91, 92. Merci pour la précision. Et après, ça fait des malus. Oui, bah, c'est logique. Et puis, en plus de ça, il se fatigue plus vite, quand même. Peut-être plus de risques de blessure. Aussi, et donc pour faire tourner, ne pas hésiter à le faire jouer mes mauvais joueurs en fin de match quand le match il est gagné, quoi, en gros, ou des matchs perdus, hein, tout simplement. Ce que j'hésiterai pas à faire, merci beaucoup à toi. Ok, donc victoire 1-0, on va jouer contre Plymouth les 4e. Alors, hein, alors je me relancerai pas dans la prononciation de Plymouth, hein, même si je pense que ça se prononce Plymouth, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà. Mais j'ai pas été vérifié, j'aurais dû. Un petit tour sur Wikipédia m'aurait bien aidé. Alors ça va, j'ai une semaine avant le prochain match, donc ils vont bien se reposer. On va pouvoir jouer avec nos forces, et ça va être cool. Donc, c'est moi qui personne d'autre qui déciderait si vous restez, machin. Je vais vous donner votre chance en équipe première. Je vais garder mes joueurs, pas de bêtises. On continue. En revanche, j'ai pas regardé ce que je devais travailler. Alors j'ai travaillé les attaques pour l'attaque pour le dernier match, mais là on va peut-être plutôt jouer à la défense contre vu les stats. Ouais, c'est assez équilibré, mais bon, ça reste une grosse équipe. Alors on va aller dedans. Hop là. Bla 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 bla. Entraînement. Ouh là là, je suis à la... Hop là, placement défensif. Voilà. Alors la défense et coup de pied arrêté, ça va mieux, hein, j'ai l'impression. Plus trop de problèmes à ce niveau-là. On est quand même. Bah alors on est repassé 3ème, hein, Walsall a gagné son match. Ils étaient pas à 24 points. Ah si d'accord, c'est Bristol City qui est passé devant. Ah mais en fait je suis bien revenu sur point reprend l'entraînement complet, intéressant. Je suis bien revenu sur Walsall. Parfait, parfait. 4 points du 4ème. Ah ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Sean Clancy qui reprend l'entraînement complet. Voilà, ça va aller mieux. Alors, sélection équipe, Chester. Alors, 64% Bolly. Alors, par exemple, le truc fatigué aussi, lui, je vais pas le faire, je vous dis. On va voir qui me met. On va faire poste nous pour uniquement. Non, je veux pas Fagbola, il est fatigué. Nanana. Alors, évidemment, ils sont tous blessés, encore un petit coup. Bah, des Luigi, voilà, et puis on va faire. Voilà, on a réussi à s'en sortir. Ok, bon, ça me semble plutôt pas mal. Allez, let's go. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Je suis pas très confiant. Je vais refaire le petit contré, conserver le ballon. Alors, je sais que dans le mode normal, pas classique, on peut les régler avant les matchs, ça. Je sais pas si on peut le faire là. J'ai jamais regardé. Alors j'ai baissé largement le son des matchs. Alors ça fait que vous allez certainement strictement rien entendre. J'ai réglé comme je pouvais parce que comme ça dépend des stades. Voilà. Je crois que c'est la première fois depuis le début que je joue en blanc. C'est une bonne question. Bah d'ailleurs moi je vais augmenter mon son. Pour pouvoir entendre un petit peu. Hop là. Allez, si seulement c'était pour nous. Petite action. Castro. Adedouji. Adedouji. Oh, ça pue la coto. Oh, que ça pue la coto. Oh, la coto. Oh, on l'avait senti la coto.
Voilà, le mec qui joue jamais d'habitude, hein, c'est le remplaçant. Bah voilà. Merci à toi. On apprécie. On apprécie. Aïe 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 aïe. Le pourri. Ouf! On peut pas gagner tous nos matchs non plus, mais c'est vrai que c'est dommage parce que bah, les 4 points d'avance que j'avais, bah, je vais plus les avoir. Forcément. Sauf si on marque. Allez, droit. Ah oui, alors je devais passer droit en renard de surface. Effectivement, j'aurais dû. Quoique, bon, nous sommes pas. Ouais, c'est vrai qu'il est pas génial. Allez, Dougie, rattrape-toi. Odubadjo, allez. Allez, mon grand, un bon centre. David, oh. C'est au-dessus. Le kiné de Plymouth qui arrive en courant. Allez, on récupère la balle. On récupère la balle. Ah, les gars. Récupère. Prends, prends, prends. Prends. Oh. Oh là, oh là, oh là. Bullshit, merci. Allez, dégage-toi. Odubadjo. Allez, deux bishops. Odubadjo. La passe pour Deroir. Deroir, Deroir, Deroir. Oh, mais non. Mais non. Mais non. Il a pas le droit. C'est incroyable ça. Il est tout seul face au gardien. C'est fou. Non, ça se met un peu à ramer. Je ne sais pas pourquoi. C'est même désagréable. Allez, le petit coup franc là. Oh. On n'est pas si nul que ça hein, finalement. Alors évidemment, ça va être une action pour eux. On va se prendre 2-0. Et puis voilà. Oh les gars. Bullshit, merci. Rachète-toi des pieds de roi. Rachète-toi les pieds de roi. Engagez-vous plus, on va enlever conserver le ballon. Allez. Je suis pas un adepte des autres consignes. Il y en a peut-être qui me serviraient énormément. Mais voilà, je sais pas, je les utilise pas. Bon, si je reste. On est troisième, c'est bien, hein. Troisième à 3 points, ça. Je suis à l'aise. Allez, imaginons, sur la reprise. Fori, Flo-Flo, Flo-Flo David, le petit centre. Allez, Thiago Xavier, la frappe. Et pas l'égalisation. Voilà, Thiago Xavier. C'est ça qu'on aime. On va se mettre en normal. Bah annuler et on va remettre conserver le ballon. Voilà, Thiago Xavier. Voilà, mon petit. C'est ça qu'on aime. Mears. Alors attention. Allez, allez mon Flo-Flo, allez tu la récupères. Voilà, tu la perds pas. Allez le contre. Ah là là, ça rame. C'est désagréable. Bon, d'accord. Désolé pour ça. Oh oui. Ah oui, la Coto. Oh du Baggio. Allez. Et bon, Florian. Et Florian David. Voilà. Voilà. Allez. C'est ça qui est bon. La Coto rep. Tac, allez, on laisse le ralenti parce que vous aimez ça. C'est vrai que j'y pense. C'est pas que j'aime pas, c'est. J'ai envie de voir la suite en fait. Florian David est un peu fatigué, je vais le remplacer. On va mettre Andrade à la place. Et Maxence Rock à la place de Bishop. On gardera le changement pour plus tard. Imaginons qu'on ait un petit blessé ou je sais pas quoi. Bon, on va se mettre. Oh, je suis repassé en contrée. Bah, parfait, je vais rester. Alors, 2-1, 80e. Je peux faire entrer une sombre bouse, à la limite. Allez, soyons fous. Bon, allez, une sombre bouse. Non, Sarkevic à la place de Fori. Allez. Et on va se mettre en défensif.
Ah oui, ce serait sublime. Magistral, le 3-1, peut-être. Thiago Xavier, la frappe. Et bon, Thiago Xavier, Thiago Xavier. Voilà. Et on passe deuxième à égalité de points avec le premier. Bristol City. Parce que c'est ça qui est bon. Et on relègue le Plymouth. Plymouth à 7 points. Parce que tu aimes ça. Oh oui, De Roar. Sarkivic. Alors c'est vrai qu'on voit pas trop De Roar. Hein. Je vais changer de rôle. Une très bonne remarque. Et voilà la victoire. Toi-même, tu sais. 8699 spectateurs. Bien, bah très bien. Et bah c'est très très bien. Alors prochain match contre le 17ème. Bah écoutez, ce sera sans vous. Hein. Chesterfield. Peut-être avec vous, peut-être pas. Ça dépendra de leur prochain résultat. Enfin bon, en tout cas, à tout de suite. Hélas, défaite contre Brentford 3-1. J'ai rien pu faire. Ils étaient au-dessus alors qu'ils étaient 17ème. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent, hélas. Bon, écoutez, donc Chesterfield, bah, ils sont montés à la 5ème place. Donc, moi, je suis toujours deuxième à 1 point du premier. Ils ont fait match nul, quoi. Et on a perdu un peu d'avance sur Walsall. En revanche, les autres ont fait bah, caca, hein, caca partout. Donc, bon, ça va. Je m'en sors plutôt bien. Donc, Chesterfield au prochain match, 5ème, il faut les battre. Je vous rappelle qu'ils étaient dans ma division l'année dernière. Hein. J'espère que ça va aller. Bla bla bla. Ils veulent Colin sans prêt, je refuse. J'ai vraiment pas assez de joueurs pour me permettre de refuser d'envoyer des joueurs en vrai. Alors, désolé. Alors j'ai mis machin renard des surfaces là, De Roar. Kevin Bolly, bah il est toujours blessé. Castro et Pierre Djani. Alors en revanche là on a des joueurs à 88. Blabla, tout ça quoi, donc bof. Alors à place de Guibo, qui je peux mettre? Sean Clancy 94. Bah ouais. Hein. Même s'il revient de blessure, ça me fait pas trop trop plaisir, mais j'ai pas trop le choix non plus. 91, Thiago Xavier. Johan Point. 90 Odubadjo. Andrade. 90 Florian David. Enkin. Oh, on va changer Andrade et Enkin. Fori 87 Sarkevic. Qui est à 99. Bah voilà, on arrive à s'en sortir à peu près. Donc j'essaye de faire plus tourner qu'avant. Et pas mettre de joueurs en dessous de 95. Poste non pourvu. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que ça va bien se passer. Quand même, c'est une équipe qui était avec moi l'année dernière. Donc, ben, c'est Michael Owen en pointe. J'ai pas fait attention. Donc, c'est pas grave. J'espère qu'il sera à la hauteur aujourd'hui. Allez, let's go. J'aurais dû faire jouer à Cho, quoi. Enfin. Alors, on va se mettre en conserver le ballon et en harceler vos adversaires. Je vais me laisser rencontrer pour l'instant, même si c'est vrai que c'est une équipe que j'ai déjà joué avant. Parce qu'on sait jamais. Allez, Bullshit qui va dégager le ballon. J'espère qu'elle est pour moi. Johan Point. Voilà, Sarkevic. Enkin. Maxence Rock. Enkin. Allez. Fagbola. Dave. Fagbo. Rock. Sarkevic. Johan Point. Fidel Castro, Andrade, allez mon Andrade, la frappe, oh oui, la petite frappe croisée à terre, voilà, qui fait du bien, et on monte à la première place du classement, yes. Michael Owen signalé en jeu, wow. Alors, remplacement rapide de Maxence Rock, hein, il s'est fait taper le pauvre. On va faire rentrer, bah écoutez, Thiago Xavier. Hein. J'espère que ce sera pas trop grave.
Alors j'ai peut-être baissé un petit peu trop le son du jeu. Attendez, je vais remonter un petit peu parce que là c'est vrai qu'on entend vraiment que dalle. Ouais, j'ai remonté un peu. Normalement, vous devriez entendre un chouïa mieux. J'ai eu un point à 77, je vais le laisser un peu, mais pas trop longtemps parce que je vous rappelle qu'il revient de blessure. Hop là, je crois que j'ai un joueur qui s'est fait mal. Ouais, c'est Sean Clancy. Alors lui aussi il revient de blessure. On va faire rentrer Guibo. Attention à ça. Attention, attention. Oh la coteau. Oh la coteau. Allez, c'est bien les gars, c'est bien ça. Ça, c'est ça qu'on aime. Surtout quand Bristol City derrière, ils réussissent à gagner. Ah, j'aime beaucoup quand vous faites ça. C'est malin. Très malin. Alors Owen, c'est une catastrophe, hein, on s'en doutait. Il a vraiment dû faire attention. Henkin, allez. Fagbola. Thiago Xavier. Fagbola. Allez, Johan. Johan Point. Le petit centre. Andra, dépend. Voilà. Alors celui-là, je vous le laisse. Je vous laisse le ralenti. Et Johan Point qui vous fait le centre parfait. Et la petite demi-volée qui fait du bien à Chester. Le coup franc, juste derrière. Johan Point. Ok. Alors ça sent l'action pour eux. J'aime pas trop ça, j'aime pas du tout. Là, ça commence à puer grave. Attention. Ouh. Alors, c'est pas fini. Ah, j'ai cru qu'on allait prendre la balle. Oui. Ah, oui. Ah, allez, allez pour nous. Quoique. Michael Owen, qu'est-ce que tu fais? Ok, Sarkevic, vas-y mon Sarkevic. Vas-y, la frappe. Oh là 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 là. Mais non, quoi, mais non. Je vais attendre un peu afin de faire un dernier changement. Serait-il temps de se passer en défensif? Alors ça c'est bien là, ça c'est bien joué, bravo. Donc si on réussit à remettre un but, ce sera joué plus bas la prochaine consigne. Bravo les gars, GG, toutes les félicitations. Sarkevic qui aurait pu, ah, la blessure du 1 point, c'était sûr, j'aurais dû le sortir plus tôt. J'ai voulu attendre. Pour parer bah, une éventuelle blessure justement. Et voilà où ça m'a mené. C'est de ma faute. Oh non, 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 s'il te plaît, non, ce serait pas joué, ce serait pas gentil. C'est pas gentil. Oh là, mais attends, mais pourquoi tu dégages par là? Vais me mettre en normal sur la fin de match. C'est pas peut-être qu'on va les surprendre. Et Michael Owen, ça a été vraiment une erreur. Jamais j'aurais dû le faire jouer, mais j'ai pas fait exprès en fait. Hein, je voulais pas lui faire jouer Red Shaw et je me suis gouré. Ce sont hélas des choses qui arrivent. Il est tout le temps signalé hors jeu en fait. Il est tellement lent, il arrive pas à revenir. Les gars. Peut-être dû essayer de tenir le match nul plutôt. Hein, vous voyez, parce que là défensivement, hein... allez, allez, récupère la balle. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi ça. Et attends, y a quoi là? What the? Attends, y a faute là? Y a penalty pour eux. Attends, c'est. On va revoir ça. Y a faute. Attends, c'est quand qu'il y a faute? Y a faute là. Là, y a faute. Là, y a faute. Mais c'est n'importe quoi. Y a faute, mais jamais quoi. Y a jamais faute là-dessus. C'est scandaleux. Ça s'appelle du vol. Voilà. C'est incroyable. Il l'a même pas touché. J'aurais dû me passer en défensif tant qu'il est dans... Juste au moment où je me prends le but, c'est le moment où j'allais me passer en défensif. Enfin bon, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Donc ça m'énerve là. Ça m'énerve. Du coup, ils reviennent à 2 points de moi, alors qu'en plus ils ont un match en retard, donc ils peuvent me passer devant. Ah, ça pue. Deux défaites de suite, c'est pas bon quand même. Bon. Ça arrive. Aïe 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 aïe.
Oh là, ils nous ont complètement dominés en fait. Ils méritaient de gagner quand même. Andrade en grande forme pour Chester. Bah ouais. C'est lui l'homme du match. Prochain contre Scunthorpe, les 8e. Et bah, je le fais avec vous. Hein. Alors, j'espère que ça va bien se passer. Très sincèrement. J'ai pas regardé si mon joueur était blessé. Maxence Rock, 2 semaines, mais ça va. Johan Point, il a rien. Ah, que c'est idiot. Il n'y a pas pénalty. Gillingham a battu Everton. C'est quand même balèze. Bon. Bon, bah on est plutôt pas mal là niveau formation, mais ouais, Owen, quelle erreur, hein. Regardez ses stats quoi. Bah, il a quand même 16 en finition et 17 en sang-froid, hein. Il pourrait quand même trouver le moyen d'en mettre un. C'est dingue ça. Allez, on y va. Alors, je joue chez moi, c'est un avantage. Et là, c'est victoire obligatoire. Hein. Let's go. De Bishop, au du Badjo. Thiago Xavier, peut-être une grosse frappe de Thiago. Un joueur qui aide beaucoup quand même. Alors je les domine. Alors je me suis pas mis en conserver le ballon et harceler vos adversaires. Ça me réussit plutôt bien en général. Quoique ça fait 2 matchs finalement que ça marche plus, mais bon. Alors je les écrase en termes de possession, mais voilà, pas d'action quoi. Peut-être se passer en normal. Ok, match tout pourri. Voilà, c'est un match tout pourri. Ça fait plaisir. Ouais, bah écoute, c'est bien, j'aime bien les matchs comme ça, mais bon, faudrait peut-être. Je me mets en contrôlé, il faudrait peut-être faire quelque chose, quoi. Red Show, on va faire rentrer. Ok, il se passe que dalle. Je domine complètement la rencontre, il n'y a aucune action, c'est des matchs bien pourris, ça. Passer en offensif, hein, tant qu'à faire, on va enlever, conserver le ballon. C'est un risque que je prends. Je suis combien au classement? Deuxième. Bon, allez, je vais pas prendre de risque, je vais me laisser en contrôler. Pas prendre de risque inutile. Tant pis si je fais. Ah, une action. Allez, pitié pour moi. Pour moi. Ah, ça va être pour lui de marquer. La coteau. Oh. Ah, de Bishop, t'aurais pu la choper quand même. Chope la balle. Allez, chope. Wesker. Allez, tu le sens le but. Et voilà. Voilà, on domine tout le match sur un contre, ils nous prennent, quoi. Déçu, très déçu là. 3 défaites de suite. 6ème place. Ouais, bon. 92ème à mon avis. C'est la fin du match. Si vous savez prendre du temps. Si on pouvait égaliser, ça serait pas mal. Allez. Voilà l'égalisation. Red Show. Yes. Bon, ça nous laisse à la 3ème place. Match nul bien naze. Hein, mais bon, toujours mieux que rien.
Hop là, ça sort et c'est fini. Ok, donc troisième, Chesterfield est passé devant avec un match en retard. Ok, ils ont pas du tout eu la possession hein, comme prévu, j'ai dominé, genre il était plus de gagner qu'eux, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On n'y peut rien, bon. Le prochain match c'est contre le dixième, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Eh bien écoutez, non, je ne vais pas le faire. Je préfère rester sur un format de 3 matchs par épisode. J'essaye à chaque fois de mettre de... On m'a demandé, oui, est-ce que tu vas mettre plus d'épisodes de FM? Alors j'essaye d'en mettre le plus possible. Je fais vraiment au mieux, je peux vraiment pas faire plus. Dès que je peux tourner, je tourne. Et je fais vraiment tout pour réussir ça. Je vous en mets le plus possible, je peux pas faire plus, hélas. C'est vrai que les épisodes de Football Manager sont moins longs, mais c'est un choix de ma part. Ça me permet aussi de prendre beaucoup plus de vos conseils. J'ai moins besoin de conseils sur les autres jeux, ou du moins c'est des conseils à plus long terme sur les jeux de stratégie. Là, c'est plus des conseils, ça peut être efficace dès le match d'après. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais des petits épisodes pour avoir les vôtres pour un dur. Enfin bon, ça fait 3 matchs sans victoire, on est toujours à 29 points, c'est quand même pas mal. On fait quand même une très grosse saison, hein. Vous m'entendez me plaindre, mais finalement, je devrais pas trop. C'est très très bien ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'on en veut toujours plus, hein. On est quand même le 11 novembre, on a fait 17 matchs de championnat. Alors il nous en reste beaucoup, hein. Je vous rappelle qu'il y a 24 équipes, donc ça veut dire 23 matchs, 46 en tout, bientôt la mi-saison. Voilà, que dire de plus? Enfin bon. Écoutez, si vous avez aimé, abonnez-vous, si vous avez aimé, partagez, merci pour les conseils, merci pour tout, vous savez ce que vous avez à faire, merci de faire vivre la chaîne, et je vous dis à bientôt. Salut, salut!